Cyril. Depuis des années, il passe sa vie à parcourir la planète à la recherche de gros poissons, et particulièrement les gros prédateurs. Regardez la taille de ce requin bulldog. Et ça tombe bien, car il y a peu d'endroits dans le monde où ils deviennent aussi gros qu'en Floride, aux États-Unis. Il est de retour ici, sur le terrain de chasse d'un poisson connu pour sa taille légendaire. Tapis dans les structures sous-marines, cette bête colossale peut devenir aussi grosse qu'un cheval, pour un poids de près de 400 kilos. Cet énorme poisson a une gueule tellement démesurée qu'elle lui permet d'avaler des poissons en entier. Et même de jeunes requins en une seule bouchée. Aucunement intimidé par l'homme, les incidents avec des plongeurs peuvent même arriver. Cyril a déjà pris des mérous géants à la canne. Mais sortir ces énormes poissons des structures dans lesquelles ils se cachent à la ligne, à ses limites. Alors c'est pour ça qu'il veut essayer avec une autre technique. C'est parti. Une méthode primitive et dangereuse. Il a déjà pratiqué ailleurs, mais n'a encore jamais essayé sur ces énormes mérous. Une ligne à main. Impossible à tenir.